parti! Hey, coucou les amis! J'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer! J'organise ma première pool party! Une pool party? Mais c'est quoi ça? Une fête avec des poules? Mais non, c'est de l'anglais et ça veut dire soirée piscine. C'est vraiment une bonne idée ces fauteuils. Comme ça, on peut discuter, boire un jus d'orange et en même temps se tremper les pieds. Oh là là, mais ça va être trop bien. En plus, j'ai demandé à Elsa du groupe LE2 de venir chanter. Non, c'est vrai? Mais comment t'as fait? Ma grande sœur Barbie la connaît. Elles étaient à l'école ensemble. Et Barbie, elle vient quand justement? Mince, Barbie, oui. J'ai complètement oublié de la prévenir. Je suis contente de t'avoir croisée. On essaye de se voir bientôt? Bah, on se voit tout à l'heure, enfin, Barbie. Tout à l'heure? Ah bon? Mais je comprends pas. Bah, tu sais, à la pool party de Chelsea, elle m'a demandé de venir chanter. Une pool party? Mais elle m'en a jamais parlé. Alors, tu fais une fête à la maison sans me prévenir, Chelsea? Non, Barbie, voyons. C'était une surprise pour ton anniversaire. Mon anniversaire? Mais c'est dans 2 mois. Tu es sûre? Chelsea? Bon, d'accord, Barbie. J'ai oublié de te le dire, j'étais trop excitée. Bon, ça va pour cette fois, mais la prochaine fois, tu me préviens, d'accord? Promis, Barbie. Alors, c'est parti pour la fête! Julie, c'est l'heure du bain! On vous laisse, les copains. Elsa va chanter. Et toi, alors? Tu aimerais faire une pool party? Bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Ayla. Et j'ai un petit secret. Vous voulez voir? Et voilà! Je peux me transformer en sirène! C'est génial, non? Mes amis sont pas au courant. J'ai pas osé leur dire. J'ai peur qu'ils me trouvent différente ou qu'ils aient peur de moi. Vous en pensez quoi, vous? Allez, je vais nager un peu et dire bonjour à mes copines les sirènes. Coucou, Ken! Tu fais quoi? Je vais aller surfer. La mer est belle aujourd'hui et il y a de belles vagues. Je vais en profiter. T'as bien raison. Je vais aller me baigner avec Skipper, moi. Et t'aurais pas fait Ayla par hasard? Je voulais lui demander de venir avec nous, mais je la trouve pas. Oh, tu sais, je crois qu'elle aime pas trop l'eau, Ayla. Elle se baigne jamais. Ah oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle sait pas nager, tout simplement. Bon, je vais quand même essayer de la trouver. Amuse-toi bien, Ken. Ils sont gentils, tes amis qui ont des jambes, Ayla. J'ai entendu dire, un poisson, qu'il mangeait les sirènes. Ils mangent juste celles qui ont des cheveux violets. Quoi? Non mais c'est horrible! Juste parce qu'on a des cheveux violets! Mais non, mais c'est une blague, Sirena, enfin. Ils sont comme nous, sauf qu'ils ont des jambes, c'est tout. Regardez là-bas, il y a un surfeur qui nous fait coucou. Oh non, mince, c'est Ken. Il va me reconnaître. Et moi qui pensais que t'aimais pas l'eau. Pourquoi tu nous as caché ce super pouvoir? J'avais peur que vous me rejetiez parce que je suis un peu différente. Mais ça va pas, c'est génial, au contraire. Tu peux être ce que tu veux. Alors c'est vrai, ça vous dérange pas? Mais bien sûr que non, Ayla. Je te trouve encore plus intéressante avec cette différence, d'ailleurs. Maintenant, il nous reste plus qu'à organiser une grande fête avec tes copines sirènes. Julie, tu viens manger? On vous laisse les copains, on a une fête à organiser. Et toi alors? Y a des choses que t'oses pas dire à tes amis? Hey, coucou les amis! Comme vous voyez, aujourd'hui j'ai enfilé ma tenue pour aller nager. Je vais aussi mettre mon masque et mes palmes. Mais avant, il faut que j'aille chercher mon bateau. Vous venez avec moi? Oh non! Mais t'es vraiment un petit farceur, toi! De toute façon, ça me dérange pas d'être mouillée puisque je vais aller nager. Ah bon? Tu vas nager? Je peux venir? Mais tu n'aimes pas l'eau, Léo! Je pourrais rester sur le bateau et te protéger. Me protéger? T'es vraiment trop mignon! T'es le chien le plus peureux du monde! Peureux, moi? N'importe quoi! Je n'ai peur de rien! Je suis super chiant! Bon, allez, super chien. Monte sur le bateau. Waouh, trop bien! Oh, doucement, Barbie. Tu peux pas ralentir un petit peu, s'il te plaît? J'ai entendu un bruit bizarre. Oh, Léo, il faut que tu te détendes un peu, hein. Bon, allez, viens, Barbie. Oh, mais regarde, c'est lui qui essaye de nous parler. Un dauphin. Waouh, quelle chance! Comment tu t'appelles, joli dauphin? Je m'appelle Marin. Tu veux nager avec moi? Oh oui, avec plaisir. Léo, tu veux venir avec nous? Oh non, merci, Barbie. Je vais garder le bateau, c'est plus prudent. C'était vraiment bien de nager ensemble. On recommencera. Et la prochaine fois, je viens avec vous. Oui! Julie,
l'heure de manger. On vous laisse les copains. Et on vous fait plein de gros bisous. Et toi alors? Tu aimes te baigner dans la mer? Hey, coucou les amis, comment ça va? Vous vous souvenez de l'épisode où Léo mon chien ne voulait pas aller dans l'eau? Eh bien je sais pourquoi, il ne sait pas nager le pauvre. Mais on va pas le laisser comme ça, j'ai une solution, vous venez? Salut Léo, ça va? Tu fais quoi? Je me repose un peu Barbie. Ça te dit d'aller nager avec moi dans la mer? La prochaine fois peut-être. Écoute Léo, je sais que tu sais pas nager. Oui c'est vrai Barbie, mais j'osais pas te le dire. Mais c'est pas grave du tout, Léo. Tu dois pas avoir honte. Moi aussi, avant, je savais pas nager. Et j'ai appris, c'est tout. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Allez, suis-moi. Je vais te présenter quelqu'un qui va t'aider. Bonjour, c'est toi, Léo? Oui, c'est moi, madame. Tu peux m'appeler Ayla, tu sais. Alors, tu viens avec moi, je vais t'apprendre à nager. Bonne chance, Léo. Oui, voilà, c'est parfait comme ça. Et maintenant, on va faire la même chose, mais sans la bouée. Sans la bouée? Mais j'y arriverai jamais. Oh, je vais me noyer, c'est horrible. Léo, tu vas pas te noyer, tu es à pied, regarde. Oh oui, c'est vrai. Voilà, maintenant tu fais pareil que quand t'avais la bouée. Waouh, Barbie va être super fière de toi. Bravo Léo, tu nages comme un poisson maintenant, je suis impressionnée. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta queue de sirène? Tout va bien Léo, n'aie pas peur. Je peux me transformer en sirène quand je veux, regarde. Wow, mais t'es vraiment une magicienne, Ayla! Julie, on va à la piscine! Et toi alors? Comment as-tu appris à nager? Hey, coucou les copains! Aujourd'hui, notre amie Ayla nous présente ses amis les sirènes. Je suis trop pressée! J'ai même demandé à ma copine Camille de leur préparer un gâteau. Allez, on y va! C'est une super bonne idée le gâteau Barbie! Il est à quoi? À la pistache! J'espère qu'elles vont aimer ça. À la pistache? Mon parfum préféré! Ah non, Léo, tu touches pas au gâteau. Je pense qu'elles vont pas aimer. Et je vais devoir tout manger. Pour pas gâcher, tu comprends, Barbie? Oh, comme c'est gentil de vouloir te sacrifier, Léo. Bonjour les copains et bienvenue chez les sirènes. Wow, comme elles sont belles, tes copines. Je crois que Ken est en train de tomber amoureux. N'importe quoi. Oh, arrête de l'embêter, Barbie. Oh, au lieu de m'embêter, tu pourrais apporter ton gâteau. Un gâteau? Oh, comme c'est gentil. Ah oui, c'est vrai, mon gâteau. Attends, je vais le chercher dans le bateau. Oh, mais non, le gâteau a disparu. Je suis tellement déçue. Léo, je t'avais dit de pas y toucher. Mais Barbie, c'est pas moi, je te promets. Et ça serait qui, alors? Ça disparaît pas tout seul, un gâteau comme ça, Léo. Je suis vraiment fâchée. T'aurais pu te retenir, quand même. Léo est pas avec toi, Barbie? Non, je lui ai demandé de me laisser un peu tranquille. Je suis vraiment pas contente. Il a mangé tout le gâteau alors que je lui avais bien dit de pas y toucher. Mais non, Barbie, il a rien fait, j'allais te le dire. Sirena a retrouvé le gâteau dans l'eau. Vous avez dû le faire tomber à cause des vagues. Oh mince, il faut que je retrouve Léo. Oh Léo, je suis vraiment désolée. Sirena a retrouvé le gâteau, j'aurais dû te faire confiance. Je suis triste, Barbie, tu sais. Je sais, Léo. Est-ce que tu penses qu'un petit bout de gâteau te remonterait le moral? Oh oui! J'en suis sûre même. On doit vous laisser les copains. On a un gâteau à déguster.